Bonjour à tous et à toutes, je suis Raulus et je suis pas content. Je suis pas content parce que normalement, je devais pas vous présenter ce jeu là, en rétro. Je vais vous présenter la version PC. Mais, lorsque j'ai enregistré, tout a été perdu. Donc du coup, je me rattrape. Donc bienvenue dans ce rétro sur Prince of Persia, le sable du temps, sur le portage Game Boy Advance. Parce que, voilà. Et donc, on va démarrer une partie. Alors, j'ai fait une partie en off pour savoir où je m'arrêterai. Je sais où je vais m'arrêter. C'est de nommer double A. Et je vais parler pendant la cinématique qui est très belle. Nombreux sont ceux qui pensent que le temps se comporte comme une rivière et s'écoule toujours dans la même direction. Ils se trompent. Asseyez-vous. Je vais vous conter une histoire comme vous n'en avez jamais entendu. Tout d'abord, sachez que je suis de Shahraman, un puissant roi de Perse. Pendant notre voyage vers Azad, nous traversâmes l'Inde, où la tentation de l'honneur et de la gloire nous conduisit à notre perte. Majesté, je suis le vizir du Maharaja. Je peux vous aider à siéger son palais, si vous me promettez une récompense. Voilà. C'est le speech. Alors nous sommes le prince. Alors tout vous nous est expliqué. Donc touche de déplacement pour nous déplacer. Bas pour baisser pour augmenter le scrolling. A pour sauter. B pour attaquer. Tout con. Les éléments du décor nous servent à nous déplacer, comme par exemple cette corde, ce poteau, et aussi ceci qui me permet de me balancer et de faire des trucs stylés. Et là, nous découvrâmes la dague du temps. Nous le remplissons de son sable. Mais lors de notre fuite, nous sommes attaqués et la dague utilisa son pouvoir. La dague pouvait faire remonter le temps. Je récupère un parchemin de libération. Libération qui me permet... Les parchemins, en fait, vous permettent d'obtenir plus de capacités. Là, ça me permet de récupérer le sable du temps sur des ennemis. Bien joué, mon fils. Tu peux garder cette dague en souvenir de ta première bataille. En ce qui concerne ce sablier, nous pourrions l'offrir au sultan d'Azad quand nous le traverserons son royaume. Mon ami, je vous apporte cette offrande d'Inde. Admirez le sable du temps. Du sable? Et par quoi brille-t-il? Excusez-moi, majesté. Seule la dague du temps peut activer le sablier. Si notre jeune prince veut bien se donner la peine. Je ne ferai pas cette voix féminine. Désolé. Le sable du temps se propagea comme la peste dans le palais du sultan, transformant quiconque le touchait. Et moi, qui avais déclenché le cataclysme, je fus épargné. Voilà. Donc tac, toi tu meurs. Alors, je vous explique. En haut à gauche se trouve notre barre de vie qui est assez petite, ainsi que ce cercle représentant notre jauge de sable du temps. En appuyant sur Start, on a droit aux caractéristiques du prince. Donc là j'ai 60 points de vie, une arme qui fait 10, une armure de 6, 25 sur 128, je sais pas. J'ai combattu un ennemi et il y a 75 ennemis en tout dans cette map. Ensuite, en appuyant sur LR pour défiler le menu, nous avons donc les inventaires. Donc là j'ai rien du tout, j'essaierai de vous montrer le plus d'objets possible. Là le plan, là les parchemins et le bestiaire. Et là c'est rien. Voilà. Donc là je peux attaquer. Je me prends du dégât, c'est pas grave. Donc là une porte fermée. Vous voyez aussi sur les draps l'insigne de Prince of Persia et Sable du Temps. Donc là je monte vite fait. Je récupère un autre parchemin, le parchemin de roulade, qui me permet de faire une roulade. Trop bien. Et là, c'est parti pour runner le jeu. Sauf pour ce passage. Dès que vous avez la roulade, vous pouvez runner le jeu. La scie. Hop là, la scie.
qui ouvre la porte. Voilà. On descend sachant que les dégâts de chute sont comptés. Et je récupère du sable du temps lorsque je tue ses ennemis. Parce que oui, lorsque vous tuez des ennemis, vous regagnez du sable du temps. Que ce soit les êtres humanoïdes qui ont été transformés par les sables ou les monstres qui ont été créés. La salle de sauvegarde qui ordonne toute la vie. Et les musiques sont belles pour une Game Boy, pour la Game Boy Advance. Alors je vais essayer de prendre des gars pour vous montrer quelque chose. Hop. Et la sable du temps, pareil, en appuyant sur L, je peux les utiliser. Sachant que je crois que c'est un loop de 6 à 7 secondes. Attention, hop là. Alors les ennemis avec le point faible. Le point faible, on maintient B pour récupérer le sable. Et dès que je pourrai, je vous le promets, je ferai celui sur PC parce que je suis sur PC. Je voulais le faire, il était plus beau. L'enregistrement a crashé, c'est vraiment dommage. Et là, oh mon dieu, je me rattrape, mais je ne peux pas sauter dans l'autre direction. Alors, il y a des trucs comme ça par terre. Ouais, il faut pas faire le fou par contre. Parchemin inversion du temps. Alors l'inversion du temps, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, remonter le temps. Mais là, c'est à ce moment-là que je ne comprends pas pourquoi ça existe. C'est pas grave. Donc là, je vais essayer de passer le jeu un peu vite. Alors quasiment tout est destructible. Comme vous le voyez, me faire toucher, ça me fait des dégâts évidemment. Toujours essayer de descendre le plus bas possible pour essayer de voir où est le sol. Là, un objet, une potion de guérison qui me rend toute ma vie. Alors évidemment, regardez souvent votre carte car il y a plusieurs sorties. Là, je dirais que j'ai pris la sortie du bas. Exact, et ceci. Dans le jeu, normalement, ça augmente votre vie. Je sais pas comment on augmente notre vie là, mais je ne trouve pas. Là, ça fait juste rien. Donc du coup, ça vous rend juste, ça vous rend votre vie normalement. Une sorte de safe zone. Donc là, je monte, je speed un peu pour essayer de m'arrêter jusqu'au premier boss. Alors attention, hop, les checkpoints, et là un ennemi. Et là voilà. Ces statues, faut pas s'approcher trop près, sinon elles tombent le dos. Sachant que je ne sais pas comment une telle chose peut arriver en Inde avant les années je ne sais pas combien. Et surtout grâce au sable. On va dire que c'est la faute du sable du temps. Bien sûr, comme dans le jeu, on rencontre Fahara. Ou Fahara. J'ai dit Fahara. Phara, ouais, on rencontre le Phara. Voilà. Voilà, et des créatures qui vous attaquent, évidemment. Mais c'est du sable du temps de gagner. Le sable du temps est pas vraiment un problème dans le jeu. Numéro au début. Mais voilà. Alors là, très intéressant, parchemin des médailles secrètes qui me permet d'utiliser l'inversion du temps pour ramasser des médailles. En fait, et je vais vous montrer juste au-dessus, je vais aller juste au-dessus, je vais vous expliquer. Un petit ajout de gameplay sur le portage GBA. Voyez ceci. Reviens là déjà toi. Ceci en fait c'est un emplacement de médaille. Mais pour l'activer, hop, il faut que j'active le sable du temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est se diriger dessus. Voilà, pas comme ça déjà. Le jeu récupéré et je l'ai. Et ça se met direct sur un emplacement d'objet. En gros, c'est comme si vous vouliez faire le jeu à 100%. Un ajout intéressant. Et ma foi, pour ceux qui veulent faire le jeu. Ouais, j'ai pris cher.
hors ma sauvegarde. Alors là, vous voyez, en haut à droite, est apparu des choses et il faut activer des interrupteurs. Donc vert, rouge, jaune en premier. Aïe. Toujours se méfier de ces choses-là, c'est le pire ennemi du jeu. Le rouge et le jaune là-bas. Voilà, et là je vais essayer de faire un truc stylé. Attention. Un backflip. Ouais, donc là c'est inversion de la direction. Donc là ce serait droite plus haut plus 1 en même temps. C'est assez classe comme petit trick à faire. Faut juste avoir un peu la maîtrise et la confiance et savoir où est-ce qu'on va retomber. Et donc là, oh, je l'ai fait sans... Ah non, en fait, c'est... Ah non, d'accord. Ça le fait automatiquement. Donc, c'est pas haut, c'est juste inversion de... direction inverse plus droit. Et là, vous voyez, des poteaux glissants. Encore un nouveau... nouveau gameplay à prendre en compte. Je vous cache pas que si vous tombez bien sûr dedans, c'est le game over. Non pas qu'il n'y a pas de fond, mais il y a un fond, mais... Voilà, il y a des squelettes. Et magnifique écran de fin qui est magnifique. Donc ça, c'était pour vous montrer le game over. On repop dans la salle. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc là, je me laisse descendre. On passe. Et on va monter. Aïe. Et là il y a un pot destructible. Donc là je drop des sables du temps. Je vous fais pas un dessin de ce que ça fait. Vous devez sans doute le savoir. J'ai perdu trop de vie. Voilà. Aïe, épique. Évident. Attention. Comme quoi ça sert d'avoir cette compétence. Hop là. Le backflip qui nous permet aussi de faire n'importe quoi. Avancer ou reculer, je peux également faire ce que je veux. Alors là c'est dommage, je sais que ouais là c'est un petit bug du jeu. Lightbox est un carré, un pixel trop loin. Il y a aussi une autre compétence pour marcher sur les murs, mais c'est plus loin dans le jeu. Et alors là j'essaierai de vous montrer. Vous voyez là ce type d'objet, il nous servira plus tard car il nous manque une compétence. Bon alors là c'est un petit fight. Voilà. Donc maintenir B. Hop là j'ai fait un truc trop bien. Et ça je vous laisse découvrir par contre ce qu'il faut faire avec ça. Un indice, je le montrerai. Ouais j'ai fait de la merde. Là j'ai fait de la grosse merde. Pas grave. Je crois que j'ai une salle en dessus ou en dessous. Ah ouais, je suis une salle en dessous. Déçu. Pas grave. Hop. Et ça, bon, je vais me permettre de perdre un peu de vie. Pas grave. Voilà, comme ça. J'ai encore masse de vie de toute façon.
Aïe. Non. Pas de risque à considérer. Voilà, meurs, salaud. Non, il y a un ennemi en haut. Ouais, je me bats, mais... Easy. Easy peasy. Pour cela, vous mettez au cac et puis vous spammez. Donc là, oh, salle de save. Ça alors. Mort à la salle de save. On continue, et là... Non. Non. Et normalement, c'est ici qu'on drop quelque chose d'intéressant. Non, c'est plus loin. D'accord. Bon, la guerrière. Vous approchez pas trop près, vous spammez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous devenez invisible. Hop, trop bien. Pour ceux qui arrivent à voir où je suis, bah tant mieux. Pour les autres, tant pis. Voilà, et là... Passage intéressant pour regagner toute ma vie. Ah, on peut pas, c'est dommage, je voulais essayer. Donc là, grillage, on ne peut rien faire. On ne peut pas détruire. Je me suis pris... Rien du tout. Cette flèche n'a jamais existé. J'étais un poil de couille de tomber. Trop bien. Oh, que j'ai failli faire. J'ai fait un skip de plateforme assez dangereux. Parce que ne faites pas ça dans le jeu. C'est juste que vous allez tellement mourir. Trop loin. Voilà. Voilà. La porte en bas à droite est ouverte. Ok. Ça marche. J'ai pris un poil de dégâts, tant pis. Ah, je prends trop de dégâts, bordel. Je regagne ma vie. Donc là, c'est... YOLO. YOLO. YOLO, j'ai pris un dégât, m'en fous. C'est vous que c'est un passage intéressant. C'est vous que je voulais vous montrer quelque chose. Bon, là, je regroupe des sables. Les sables, je les utiliserai pour le boss. Parce que je vais vous montrer un boss, ouais. Je suis comme ça. Je suis gentil. Voilà, et c'est en bas. Voilà, c'est ce parchemin ici. Parchemin d'assemblage. Qui me permet d'utiliser les sables du temps pour en construire les objets cassés. Donc je vais l'utiliser tout de suite. Bon, évidemment... maintenir bien comme il faut, ça use un quart de sable que je vais allègrement reprendre grâce à ces chauves-souris temporelles. Voilà. Et le boss devrait se trouver plus loin. Enfin, pas loin même. Genre juste là, vous voyez, c'est une statue, tout est gris. Mais il active le sable du temps. Tout il est beau, tout il est gentil, donc je vais l'activer. Et là, je vais le faire assez vite. Tu vois, je vais le montrer, vous faire assez vite, vous expliquant la strat pour le vaincre. Voilà, on utilise les sables. Et on évite les pierres. On peut aussi le taper pour gagner des sables. Ce que je vais vous montrer maintenant, vous voyez. Et là, bon, maintenant que j'ai fait de la merde, je vais utiliser quelques objets. Hop, les sables du temps à fond. Et je vais pouvoir le pourrir. Je mets du 14 de dégâts avec mon épée, c'est déjà pas mal. Non. Allez hop, 3 x 14. C'est des dégâts fixes, hein. Ne cherchez pas des trucs pétés. Pour Je peux pas faire des choses là-dessus, non, je peux rien faire. Je vais reprendre du sable. Voilà.
Et j'attends la bestiasse. Voilà. Donc, et là, elle est morte. Sa barre de vie était en bas à droite, par contre. Hein, pour ceux qui ont suivi. Et voilà. Et on finit là-dessus. Sur le parchemin saut aérien. Pour un double jump. Est-ce que je peux faire un truc stylé? Un double jump aérien. Non. Ah, attendez. Oh! Double jump aérien, qu'est-ce que tu vas faire? Attention. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va recommencer à fond. Double jump arrière aérien. Mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo qui n'était pas prévue sur le bon sujet. J'espère au moins que vous testerez ce jeu juste parce que c'est un Prince of Persia. D'aimer la vidéo si ça vous a plu, de commenter sur un rétro que je peux faire. Si vous avez des idées de jeu, n'hésitez pas à m'en faire partager. Non, n'hésitez pas à me faire partager vos idées de jeu. Voilà. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De me suivre sur Twitter en @basarus1. Les liens intéressants sont dans la description. Bon jeu et à la prochaine.